70, quand je l'ai connu, et qu'il venait chez moi à l'avenue du Ollier, sans dire un mot, parce qu'à l'époque il était muet. C'est pas une blague, hein, il ne disait pas un mot. David, tu connais ton frère. Il disait bonsoir, il se mettait dans un coin, et j'avais ramené de France toute une collection de la revue Rock and Folk, qui faisait autorité en matière musicale à l'époque. Et il prenait toute cette pile de Rock and Folk qu'il lisait sans cesse, de A à Z. Et arrivé à 10h du soir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je n'avais pas de voiture, il marchait de chez moi à Belle-Rose, l'avenue Ollier, jusqu'à Montroche, et il y a dans son livre toutes ces étapes qu'il a traversées dans une misère noire. Pour faire ce livre, j'ai voulu quand même, bien sûr avec l'assistance de beaucoup de personnes qui sont certaines sont dans la salle, de mettre en écrit mon histoire. Pourquoi, à l'âge de 20, pourquoi écrire un livre? Pourquoi ils ont mettant écrit ma vie? Donc, tout le cheminement que j'ai fait, c'est avant tout, c'est un bien d'exemple. Je voudrais te remercier pour ton courage, pour l'exemple que tu nous donnes. Tu as fait quelque chose qui ne se fait pas assez souvent en Maurice. Nous avons une jeunesse qui est parfois, peut-être même une population qui est parfois un peu désorientée. Nous avons besoin des rôles modèles. Tu en fais partie. Tu as fait l'effort de mettre par écrit tout ce qui fait la richesse de ta vie, tout ce qui fait la richesse de ton histoire. Au nom de tous ceux qui vont lire ce livre, ton livre, et qui vont avoir envie de t'émuler et de lutter comme toi, d'avoir partagé ta rage de vin, je te remercie au nom de toute l'île Maurice. Merci beaucoup. Thank you.